Le corps sans vie de Simon Gauthier a donc été retrouvé hier dans un ravin dans le sud de l'Italie, 9 jours après son appel au secours. Les opérations pour remonter sa dépouille sont en cours. La zone est très escarpée. C'est compliqué pour les sauveteurs de remonter le corps de Simon Gauthier. Les travaux de consolidation, on va peut-être voir le sujet de Alexandre Malson. C'est la fin de longues journées de recherche. Le corps sans vie de Simon Gauthier a été retrouvé hier dans un ravin, 9 jours après son appel à l'aide. C'est un secouriste qui a repéré son sac à dos de loin à l'aide de ses jumelles. Après la découverte du corps, les secours essayent maintenant d'en savoir plus sur les circonstances de la mort du jeune homme. L'hypothèse la plus probable, c'est qu'il a glissé et qu'il est tombé en tentant de gravir cette partie plus ou moins rocheuse de la côte. Au fil des jours, l'équipe de recherche s'est étoffée. Hier, d'importants moyens avaient été mis en place pour retrouver Simon Gauthier. Plus de 100 personnes étaient mobilisées avec un hélicoptère et des drones. Des renforts qui ont tardé selon la famille et les amis du jeune homme, qui n'ont cessé de déplorer plusieurs dysfonctionnements dans le dispositif de recherche, notamment le manque de moyens mis en place. Après la découverte du corps, désormais plusieurs questions se posent pour définir ce qui n'a pas permis de sauver Simon Gauthier.